Fais attention à la sangle là. C'est bien. On est bien. T'es bon. On reste comme ça. Maintenant, on va faire la pitié. C'est un homme calme, très maîtrisé, que j'ai vu, avec une expression verbale extrêmement précise, quelqu'un qui a un niveau culturel et incontestable, qui considère que toute sa vie a été un échec et l'acte qu'il a entrepris devait normalement pour lui aboutir à un suicide. L'explication du geste se trouve dans le sentiment d'un échec personnel total dont il rend responsable la société dans laquelle il vit. Monsieur Durne a une image extrêmement dévalorisée de lui-même et il explique son passage à l'acte de la manière suivante. Il voulait avoir, une fois dans sa vie, le sentiment de la maîtrise événement. Et pour lui, avoir le sentiment de maîtriser sa vie, c'était tuer des gens d'une certaine élite et se donner la mort ensuite. Et il regrette de n'avoir pas eu, dit-il, la possibilité de le faire.